Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé les bienfaits d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Les bienfaits d'être dans la présence de Dieu. Et nous allons entendre des thèmes comme toute la force, toute la foi, toute la puissance, tout l'amour, ou bien être enraciné, fondé dans l'amour, toute la sagesse. Alléluia. Et après, nous allons voir en fait quelques aspects des avantages d'une assemblée qui vit dans cette dimension de toute la foi, de toute la force, de tout l'amour, en fait, ou bien d'être enraciné et fondé dans l'amour. Nous allons voir quelques aspects des avantages d'une assemblée qui vit dans cette dimension. Alléluia. Parce que comme le frère Tété a introduit, nous sommes dans des temps difficiles. Et l'Église du Seigneur a besoin de rentrer dans certaines dimensions. Par rapport au plan de Dieu qui est de nous amener à la perfection, on a besoin de rentrer dans certaines dimensions des attributs de Dieu. Toute la force, toute la puissance, toute la foi, toute la sagesse, toute la gloire. Alléluia. Pour nous préparer à rentrer dans cette dimension-là. Amen. Et après, nous allons vraiment prier pour que pour l'Église du Québec et pour tous ceux qui nous écoutent, pour que le Seigneur nous fasse rentrer dans cette dimension-là. Alléluia. Nous allons vraiment prier pour ça. Amen. Et donc nous allons partir dans le livre de Colossiens chapitre 1. On va lire du verset 9 au verset 11. Mais c'est le verset 11 qui va nous intéresser pour introduire ces choses-là. Et si nous avons pu finir aujourd'hui, le dimanche prochain, nous allons voir un autre thème qui est les activités du peuple de Dieu en sa présence. Mais si nous n'avons pas pu finir aujourd'hui, Dieu voulant, on va continuer parce que ce que je veux toucher en fait à la fin, c'est de montrer que c'est l'individu, c'est l'assemblée qui demeure constamment dans la présence de Dieu, qui demeure constamment dans la présence de Dieu qui peut en fait bénéficier de ces choses-là. Amen. Donc, Colossiens 1, verset 9 au verset 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de vous demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Amen. Et lorsque on va regarder dans le Strong biblique, en fait, le thème à tous égards au verset 11, quand il est dit fortifié, à tous égards par sa puissance glorieuse, nous verrons que à tous égards veut dire aussi en toute force, amen, ou en toute capacité, ou en tout pouvoir, alléluia. Et il y a certaines versions de Bible qui établissent clairement cela, que ça signifie, que ça veut aussi dire en toute force ou en toute capacité. On va aller peut-être regarder la version d'Arby, et regarder bien cette partie-là, donc le verset 11, mon frère, non? Étant fortifié en toute force selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance avec joie. Voyez-vous donc, à tous égards, ça signifie aussi en toute force. Comme vous voyez dans le grec, c'est en toute capacité, en toute puissance. Alléluia. Par ailleurs, quand on dit fortifié, quand il est dit étant fortifié, ça veut dire augmenter en force. Amen. Fortifié, ça veut dire augmenter en force. Donc c'est dans un sens continu. Augmenter en capacité. Augmenter en pouvoir. Amen. Pour dire que sa puissance glorieuse en nous, nous renforce de toute la force dont on a besoin pour résoudre une situation donnée. Amen. Sa puissance glorieuse en nous, nous fait aller de progrès en progrès, dans la force et dans la capacité, jusqu'à la plénitude. Amen. Souvenons-nous, mes frères, que nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Amen. Toute notre capacité nous vient de Dieu. Tout ce que nous pouvons, ça nous vient de Dieu. Amen. L'apôtre Paul, par exemple, pouvait dire que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Tout ce que je peux, c'est parce qu'il me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, autant je suis en lui,
je peux aller tirer les ressources, je peux aller tirer la force, je peux aller tirer le pouvoir dont j'ai besoin, jusqu'à toute la force, alléluia, donc pour parer à toute situation, alléluia. Et quelque part dans les écrits, l'apôtre dit, mais qu'as-tu que tu n'as reçu? Amen. Dis, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, mais pourquoi est-ce que tu te glorifies comme si tu n'avais pas reçu? Donc tout ce que nous avons nous vient de lui. Alléluia. Tout ce que j'ai me vient de lui. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit dans Jean 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. L'apôtre Paul va dire encore, c'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Parce que je suis faible, je compte sur sa force. Amen. C'est lui qui me fortifie. On va aussi lire également 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. 2 Corinthiens 3, amen, donc le verset 5, vas-y mon frère. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen, notre capacité vient de Dieu. C'est pourquoi l'humilité dont nous habitons, mes frères. Notre capacité vient de Dieu. Tout ce que nous avons nous vient de lui. Tout ce que nous le recevons par lui, mais par sa puissance glorieuse. Donc sa puissance glorieuse qui est en nous, c'est elle en fait qui nous renforce dans la force. Et c'est elle qui nous rend capable de pouvoir accomplir toutes choses. Et sa puissance glorieuse, si on regarde dans certaines versions, dans d'autres passages, mais dans d'autres épîtres des apôtres, alléluia, des prophètes, on verra que c'est cette même puissance qui est appelée aussi sa divine puissance. Alléluia. Donc sa puissance glorieuse qui fait cela en nous, on l'appelle aussi sa divine puissance. Amen. On va aller regarder ça dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. On va lire du verset 1 au verset 3, mais c'est plus le verset 3 qui nous intéresse. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Voyez donc, l'apôtre Paul dit comme sa divine puissance. Et c'est elle là que l'apôtre Paul appelle aussi sa puissance glorieuse, sa puissance de la gloire. Donc ici, c'est comme sa divine puissance. Donc, sa divine puissance en nous, elle vient pour influencer notre caractère. Alléluia, pour rendre notre caractère semblable au caractère de Christ. Amen. Et là, il est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout, c'est vraiment important, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais il dit, c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a fait quoi, mon frère? De celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Donc, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, donc au moyen de la connaissance de Christ, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et la piété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que sa divine puissance nous remplit de la connaissance de Christ, amen, nous commençons à expérimenter la vie. Alléluia, nous commençons à toucher la vie. Nous commençons à connaître les sentiers de la vie. Et au fur et à mesure que nous comprenons les réalités du royaume des cieux, cette vie-là, en fait, elle se propage dans nous. Amen. Jusqu'à ce qu'elle devienne pleine en nous. Nous rentrons dans la vie éternelle. Alléluia. Les salmistes, par exemple, depuis son époque, parce qu'il était poussé par l'esprit de la prophétie, à un moment donné, l'esprit a commencé à l'agiter. Et il a commencé à parler, sinon à ressentir les souffrances de Christ. Alléluia. Quand Christ était encore dans le sein de la terre, le salmiste, depuis son époque, des centaines d'années avant, il a commencé à ressentir cette souffrance de Christ. Et dans le psaume 16, on ne va pas le lire, je vais seulement le citer. Il dit que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Il dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il dit, tu me rempliras de joie, de délices abondants dans ta présence. Il dit, il y a des délices abondants dans ta présence. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Donc au fur et à mesure qu'on commence à comprendre Christ, au fur et à mesure qu'on commence à connaître Christ, parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Alléluia, toi le seul vrai Dieu, celui que tu envoies Jésus-Christ. Donc au fur et à mesure qu'on commence à les connaître, cette vie elle se propage en nous. On commence à comprendre les sentiers de la vie. Alléluia, on commence à toucher les sentiers de la vie.
Et le fait de comprendre les sentiers de la vie, ça va nous permettre aussi de pouvoir vivre selon la piété. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Quand on parle de la piété, c'est de vivre comme Christ en fait, sur la terre. Amen. De vivre comme Christ. Parce que le mystère de la piété, même c'est Christ. On dit que le mystère de la piété a été manifesté. Dieu dans un corps. Amen. Donc nous commençons à vivre comme Dieu. Nous commençons à vivre selon l'humilité. Nous commençons à vivre selon tous les attributs de Dieu. Amen. Donc c'est sa divine puissance, le Saint-Esprit en nous, qui procure ces choses-là. Alléluia. C'est vraiment important. Amen. Mais quand on parle de sa divine puissance, j'ai déjà donné le nom. On savait dire quoi? J'ai déjà parlé. J'ai déjà dit ça tout à l'heure. Quand on parle de sa divine puissance, on parle de quoi? Quand on parle de sa divine puissance, on parle de l'Esprit de Christ en nous. Amen. On parle du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné le jour de la Pentecôte. Alléluia. On va aller regarder ça dans Actes chapitre 1. Actes 1. Enfin, tu vas lire le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc il dit vous recevez une puissance. Et après il dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc quand on parle de sa divine puissance, la puissance de la gloire du Seigneur, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Alléluia. Et je pense que dans Luc chapitre 24 aussi, on trouve une mention comme ça, Luc 24, à partir du verset 45 au verset 49. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Donc restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc quand on dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, on parle du Saint-Esprit en nous. Quand on dit par exemple que vous êtes fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, on parle du Saint-Esprit en nous. Amen. On va retourner dans Colossiens chapitre 1. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire en ce moment? En ce moment, nous sommes en train d'expliquer le passage de Colossiens 1 à travers d'autres passages. Alléluia. Parce que les Écritures s'expliquent d'elles-mêmes. Amen. Il y a un facteur temps dans la connaissance du Seigneur. Nous devons toujours demeurer dans la présence du Seigneur pour que lui-même nous révèle les choses. Nous devons apprendre à croiser les Écritures. Ne nous précipitons pas hors de la présence du Seigneur. Alléluia. Donc, on va aller regarder Colossiens 1, verset 11. Tu vas relire seulement le verset 11, mon frère. Et avec tout ce que nous venons de dire, on va essayer maintenant d'expliquer ce passage avant de pouvoir continuer. Étant fortifiés en toute force selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance avec joie. Amen. Donc on a expliqué que fortifier, c'est augmenter en force. Fortifier, c'est aller de force en force, c'est progresser dans la force, jusqu'à toute la force. Alléluia. Nous avons dit que à tous égards signifie aussi en toute force. Donc vous dites que sa puissance glorieuse en nous, elle nous augmente en force. Jusqu'à toute la force dont nous avons besoin. Alléluia. Qu'à toute la force dont nous avons besoin. Il a dit que c'est sa puissance glorieuse en nous qui fait ces choses. Donc le Saint-Esprit qui fait ces choses en nous. Alléluia. Donc elle nous augmente en force. Jusqu'à toute la force dont nous avons besoin. En fait, tu peux encore relire le passage. Étant fortifié en toute force selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance avec joie. Amen. Donc ici, il a fait mention de toute la force. Pourquoi? Pour nous permettre de demeurer dans la persévérance et dans la patience. Alléluia. Mais dans la joie. De nous permettre de demeurer dans la joie. Alléluia. Avec persévérance et avec patience. Donc ça, c'est un aspect de ce qui peut nous produire toute la force. Amen. Donc, permettre à l'Église du Seigneur de demeurer avec joie, dans la patience. Alléluia, et dans la persévérance jusqu'à l'avènement, non jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi est-ce que j'ai commencé à introduire pour dire que l'Église doit vivre dans certaines dimensions de la force, de la foi, de l'amour. Alléluia. On dit toute la force, c'est pour permettre à l'Église de demeurer avec joie, c'est-à-dire de supporter. Amen. Dans la persévérance et dans la patience. Alléluia.
On va aussi lire dans Éphésiens chapitre 3, où on trouve une occurrence en fait de ce thème de fortifier. Éphésiens 3, verset 16, verset 18. On va revenir en fait sur ces passages-là. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc, elle vient produire en nous sa puissance glorieuse, elle vient produire dans notre homme intérieur toute la force dont notre homme intérieur a besoin. Et on voit la progression, on dit ça nous conduit jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc, c'est vraiment important que nous soyons fortifiés. Mes frères, comme nous sommes dans une situation, il faut qu'on demande au Seigneur de nous fortifier. Parce que la force que le Seigneur nous donne, ça nous donne le pari à la situation dans laquelle nous sommes. Et autant la situation prend de l'ampleur, le Seigneur a une force qui peut nous donner, amen, pour venir en fait détruire cette situation-là. Alléluia. Et l'esprit qui nous fortifie dans toute la force, dans toute la puissance, c'est aussi l'esprit en fait qui nous permet d'expérimenter aussi toute la foi. Toute la foi en fait, c'est le résultat de toute la force en nous qui commence à s'extérioriser. Alléluia. Les choses de Dieu qui sont en nous, que ça commence à s'extérioriser. Alléluia. La force commence à s'extérioriser. C'est ça qui est toute la foi. Amen. Et dans Colossiens 1:11, on a vu un aspect de toute la force. On dit que c'est pour permettre à l'église du Seigneur. Donc, de demeurer avec joie, dans la persévérance et dans la patience. C'est-à-dire, quand la tribulation vient, l'église est capable de demeurer dans la persévérance et également aussi dans la patience, mais avec joie, jusqu'à l'apparition du Seigneur. On va regarder aussi un aspect de toute la foi. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, où l'apôtre Paul parle en fait d'amour, on trouve une occurrence de toute la foi et on va voir ce que ça peut permettre à l'église de pouvoir faire. Amen. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alléluia. On dit qu'il y a une dimension de foi qui permet de transporter les montagnes. C'est glorieux. Il y a une dimension de foi qui permet de transporter toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Alléluia. On a vu un aspect de toute la force. Donc, permettre à l'assemblée, permettre à l'église de pouvoir demeurer avec joie dans la patience et dans la persévérance jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Ici, on a pris de voir un aspect de toute la foi. Mais ça peut nous permettre de transporter les montagnes. On n'a pas dit la montagne, mais les montagnes. Alléluia. Amen. Les montagnes, frère, nous parlent de toutes les situations difficiles, de toutes les situations qui peuvent sembler irréalisables à nos yeux. Alléluia. Ça, ce sont les montagnes. On dit que nous pouvons transporter ces situations par la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Par toute la foi, tu peux transporter ces situations. Alléluia. Donc, ce sont toutes les situations qui peuvent venir s'opposer. C'est des situations, quand tu regardes, tu dis que ça, là, vraiment, à l'œil nu, là, c'est pas possible. Amen. Mais si nous apprenons, mes frères, à faire confiance au Seigneur, si nous apprenons à vivre dans la nouvelle manière de vivre en Christ, dans ce âge-là, qui est l'âge de la foi, qui est l'âge de l'esprit, nous allons vaincre toutes les situations. Alléluia. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Et la Bible dit bien plus que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. C'est vrai que nous avons des situations difficiles. Nous avons donc des situations difficiles qui se présentent à nous chaque jour. Mais si nous faisons confiance au Seigneur, mes frères, nous pouvons vaincre ces situations. Nous pouvons vaincre ces situations. Parce que toute la provision dont nous avons besoin pour vaincre les situations, le Seigneur nous a donné par le Saint-Esprit. Toute la provision se trouve dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et si nous apprenons à utiliser cette provision que le Seigneur nous a donnée par la foi, par toute la foi, nous allons remporter. Et nous avons dit la dernière fois, lors de la direction, que nous devons nous souvenir que le chemin que nous traversons, mes frères, ma soeur, la difficulté que tu traverses, les difficultés que tu traverses, mon frère, Christ est déjà passé par là et il a vécu jusqu'à la gloire. Alléluia. Et parce qu'il a vécu jusqu'à la gloire, si nous fixons les regards chez lui, nous aussi nous allons vivre jusqu'à la gloire. Et toute la provision se trouve dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné après l'élévation de Christ. Et son rôle aussi, c'est de prendre l'Église et d'élever l'Église en Christ
alléluia, pour remporter aussi la victoire, pour atteindre la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il nous élève aussi en Christ. Là où Christ était élevé, là, il nous élève aussi là-bas. Alléluia. Mais ça dépend de toute la foi que nous mettons dans la parole du Seigneur. Alléluia. Lorsque nous prenons l'exemple du peuple d'Israël, nous voyons que Dieu est allé en Égypte pour aller délivrer un peuple qui était sous le joug de l'esclavage, pour aller délivrer un peuple qui était broyé par le Pharaon. Et par sa main puissante, Dieu a envoyé Moïse. Et Moïse a pu délivrer le peuple d'Israël. Et Dieu a demandé à Moïse de faire passer le peuple par le désert pour le conduire dans un pays que Dieu avait déjà trouvé. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu a trouvé le pays et est venu chercher le peuple. Il donne un chemin, c'est parce que lui-même connaît le chemin. Il est déjà passé par ce chemin. Amen. Donc Israël avait seulement fait confiance au Seigneur. Avait seulement fait confiance au Seigneur pour traverser le désert et pour arriver dans la terre promise. C'est pareil pour nous aussi dans la nouvelle alliance. Christ a déjà parcouru le chemin. La Bible dit qu'il est les prémices de ceux qui sont morts. La Bible dit qu'il est le précurseur de ceux qui ont la foi en lui. Et si nous fixons les regards sur lui avec toute la foi, nous serons capables de transporter les montagnes. Alléluia. La Bible dit que dans le nom de Jésus, que les montagnes et les collines sont aplanies, que les vallées sont exaucées. Il dit, la Bible dit que lui, les chemins roboteux seront aplanés, tout ce qui est tortueux sera redressé. Si nous avons toute la foi, nous serons capables, mes frères, de déplacer les montagnes. Je prie que le Seigneur donne en fait à l'Église de rentrer dans la réalité de toute la foi, au Amen. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et l'Esprit qui nous donne d'expérimenter toute la force et toute la foi, donc est le résultat de toute la force qui s'est stérilisée en nous, c'est le même Esprit aussi qui vient pour déverser l'amour de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Et qui nous donne d'être solidement enracinés et fondés dans cet amour. C'est le même Esprit aussi qui vient pour déverser l'espérance en nous. Alléluia. Qui vient pour nous donner d'être enracinés dans l'espérance. L'espérance vivante. C'est l'espérance d'être réunis avec le Christ et de participer avec lui à la manifestation de sa gloire dans les temps à venir. C'est pourquoi on appelle la bienheureuse espérance ou l'espérance bénie. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de faire ces choses. Alléluia. Et donc nous comprenons que si c'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre dans toutes ces dimensions, de toute la foi, de toute la force, de toute la sagesse, prenons ce qu'on veut, tous les attributs de Dieu, de tout l'amour, donc d'être enraciné, fondé dans l'amour. Si c'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre et d'être enraciné dans l'espérance, nous comprenons qu'une assemblée qui a fait l'expérience de la pluie de la première saison, ou bien de la pluie de la Pentecôte, peut expérimenter ces choses-là. C'est pourquoi nous prions pour que le Saint-Esprit baptise toute l'Église de Québec. Alléluia. Nous comprenons qu'une assemblée que Dieu prépare, alléluia, pour la pluie de l'arrière saison, peut expérimenter cette dimension-là. Alléluia. Prenons par exemple l'Église de Colosse que nous avons regardée au début. Allons voir. On va voir que l'Église de Colosse vivait dans certaines réalités. Paul a entendu. Il a entendu parce que je pense que c'est Epaphras qui allait leur enseigner ces choses. Il a entendu. Il dit, comme j'ai entendu que vous vivez dans les trois dimensions du Logos, comme j'ai entendu que vous vivez dans la foi, dans l'amour, dans la foi et dans l'amour, je vais commencer à prier pour vous, pour que le Seigneur vous fasse rentrer dans la pleine dimension de ces choses. On va aller dans Colossiens. Colossiens 1, on va aller du verset 1 au verset 9. Suivons bien le passage. Parce qu'il y a certaines sémences qui doivent être au niveau de l'assemblée. L'assemblée doit commencer à aspirer à certaines sémences. Et quand on commence à prier, le Seigneur nous fait rentrer dans cette dimension de toute la foi, de toute la force, de toute la sagesse, de l'espérance bénie. Alléluia. Donc Colossiens 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés,
Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Donc au verset 4, il dit qu'il a été informé de la foi et de la charité de cette église. Et comme c'était là, il a commencé à prier le Seigneur pour qu'elle rentre dans la pleine réalité de ces choses. Et au verset 9, il dit que c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour, nous avons été informés. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance et de sa volonté. Il dit en toute sagesse, alléluia, et intelligence. Donc il a commencé à prier pour que Dieu puisse combler l'église de Colosse de toute la sagesse et de toute l'intelligence. Mais c'est pourquoi c'est nécessaire à quoi? On voit un aspect ici, au verset 10, de toute la sagesse et de toute l'intelligence. Au verset 10, on voit un aspect, ce que ça peut permettre à l'église de faire. Vas-y mon frère. Mm-hmm. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Donc toute la sagesse. Donc on a vu toute la force, on a vu un aspect de toute la force, un aspect de toute la foi, on a vu un aspect de toute la sagesse. On dit que ça peut permettre à une assemblée de marcher d'une manière digne du Seigneur. Alléluia. Et d'être entièrement agréable au Seigneur. Elle va commencer à porter du fruit. Alléluia. C'est vraiment important. On a des dimensions. C'est vrai. On parle de la foi. Mais on veut rentrer dans toute la foi. On parle de la sagesse. On veut rentrer dans toute la sagesse. Alléluia. Et on dit que ça permet à une église de marcher d'une façon digne au Seigneur. Alléluia. Et ici, on nous parle de l'église de Colosse. On va regarder aussi l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul aussi a entendu parler de quelque chose. Il y avait une sémence au milieu d'eux. Et il a commencé à prier aussi pour qu'il rentre dans une autre dimension. On avait commencé à regarder ça à partir du verset Éphésiens 3. Tu vas lire d'abord Éphésiens 1. Éphésiens 1. Donc, Éphésiens 1, on voit vraiment qu'il y avait également aussi la foi et la charité au sein de cette assemblée. L'apôtre Paul va prier pour que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation. Mais à la fin, il va commencer à dire au Seigneur de les fortifier puissamment. C'est-à-dire d'augmenter la force en eux pour qu'ils rentrent dans d'autres dimensions. Alléluia. Donc, Éphésiens 1. On va aller à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Amen. On va aller maintenant au chapitre 3 qu'on a lu tout à l'heure. On va voir que maintenant, il va même fléchir les limites. À cause de cela, je fléchis les genoux. Alléluia. Il dit, je fléchis les genoux. Parce que vous avez ça en vous. Mes frères, si l'église de Québec aspire à ces trois choses-là, s'il y a des semences et ces choses au milieu de nous, que nous commençons à les préserver, et qu'on commence à prier pour entrer dans d'autres dimensions de toute la foi, de toute la sagesse, le Seigneur va nous l'attribuer. Au nom de Jésus. Alléluia. Regardons à partir du verset chapitre 3, à partir du verset 14. Mm-hmm. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Et pas de puissamment fortifié. Et puis il dit après, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il va continuer pour dire que vous soyez enraciné. On a déjà parlé de ça la dernière fois, le mardi, enraciné. Amen. Enraciné, ça veut dire établi dans le grec. Il dit est solidement fondé. Il dit fondé, c'est ça. Enraciné et fondé. Fondé, ça veut dire solidement établi. Il dit dans l'amour. Amen. Et il va commencer à progresser jusqu'à ce que vous soyez rempli de toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc quand on commence à vivre dans cette dimension-là, ça nous amène en fait à rentrer dans toute la plénitude de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ que l'Église a besoin de rentrer dans certaines dimensions de la foi, dans certaines dimensions de l'amour, dans certaines dimensions, alléluia, de l'espérance. Amen. Mais il faut d'abord que cette semence soit au milieu de nous. On a vu l'église de Colosse, on vient de voir l'église d'Éphèse, on va aussi voir l'église de Thessalonique, alléluia, qui vivait déjà dans la réalité et plus tard dans l'abondance. Donc de la...